Salut à tous, j'espère que vous allez bien, ce jour si ensoleillé. Aujourd'hui, on se retrouve dans un format un peu différent puisque je suis à l'extérieur des bureaux d'Unifade. Je me trouve devant le van, il fait beau, j'ai un peu de soleil dans la figure, je vous vois pas très bien, mais on va faire avec. Je suis en déplacement là pendant une bonne semaine, j'espère qu'il y aura pas trop de bruit de voiture aussi aux alentours. Bref, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo toute particulière. En effet, aujourd'hui, je vais vous parler de la conceptualisation de toute une collection chez Unifade. La création de nos visuels, elle se fait comment? Tout simplement, avec d'abord ma petite tête et ma petite imagination, je lis un peu les différents points que je veux mettre en place au sein de la collection, l'univers que je veux créer pour vous sur la collection en question. Et ensuite, je prends mon téléphone et j'appelle Tiffen. Tiffen, c'est qui? C'est la graphiste avec qui on travaille depuis maintenant 3 ans. C'est les petites mains d'Unifade, puisque c'est elle qui commence à donner vie à la collection que vous voyez quand vous recevez votre colis. Une fois que les idées sont posées, qu'on a brainstormé avec Tiffen, on va commencer par faire des ébauches. Elle va me proposer certains visuels en fonction des idées que je lui ai données. Et si parfois il peut arriver que j'ai pas l'idée ou la chose qui me convienne suffisamment dans mon esprit, je fais aussi appel à elle pour qu'elle me partage, elle, ses idées et que l'on fusionne tout ça. L'idée pour moi, c'est toujours de construire ensemble la marque qu'est Unifade. Une fois nos visuels faits et créés avec Tiffen, ce qui se passe, c'est que moi, j'appelle mon imprimeur. Mon imprimeur, c'est un atelier qui s'appelle l'Atelier Coton et qui est basé à Lyon. C'est avec eux que l'on a un relais direct, en fait, avec qui on échange en direct. D'abord, on échange pour savoir si au niveau des visuels, ça va pouvoir se faire selon les différents types d'impressions. La plupart du temps, nous, on s'oriente vers de la sérigraphie avec des impressions à l'encre à l'eau. Les visuels prêts, il faut choisir aussi les designs des produits. Chez Unifade, nous avons accès à un catalogue fournisseur. On travaille avec certains fournisseurs qui nous permettent d'avoir des produits adapté à ce que l'on recherche d'un point de vue visuel, mais aussi d'un point de vue engagement au niveau des certifications et des labellisations. C'est-à-dire que pour l'instant, on n'a pas la possibilité de conceptualiser nos produits. Choisi via un catalogue avec un ensemble de produits et de gammes qui nous est proposé par le fournisseur, en tout cas le grossiste. On fait donc notre sélection au travers de ce catalogue-là et nous n'avons pas réellement de contact direct avec lui. Puisqu'en fait, notre relais, c'est notre imprimeur. D'ailleurs, pour vous apporter quelques précisions sur la matière première et sa provenance, nos produits sont principalement issus d'une production au Bangladesh avec des certifications et des labellisations déposées au sein de notre grossiste. Alors, des certifications et des labellisations sur quoi? Principalement sur 2 axes. La bonne matière première, le fait que ça soit bien du textile bio et ou recyclé. Et le deuxième point, le deuxième axe, il est délivré par la Fairwear Foundation, qui s'assure notamment des conditions de travail, au travers de 3 points essentiels, la bonne rémunération de chacun, que ça soit pas dans des lieux insalubres et surtout que ça soit pas des enfants. L'idée pour nous est de toujours s'axer sur les 2 points que sont l'éco-responsabilité et la solidarité au sein de la marque. Bien sûr, jusqu'à présent, je n'ai pas eu l'occasion, moi, d'aller dans les usines sur place, puisque bah, déjà, ça a un coût et je n'ai pas la possibilité financière de le faire. Ensuite, ça a un impact carbone, mine de rien, de se déplacer à travers le monde. Donc, j'ai pris le choix, pour l'instant en tout cas, de faire confiance à mon imprimeur qui est le relais auprès de ce grossiste-là, et de faire confiance aux certifications et labellisations. Bref, tu l'auras compris, on s'engage le plus possible avec Unifade. On n'est pas encore parfait et on ne le sera jamais, mais on cherche toujours à évoluer positivement dans le but de s'améliorer à chaque collection et surtout au fil du temps. Pour la suite, comment ça se passe? On a notre matière première, notre t-shirt, admettons, notre t-shirt. On a notre visuel. Pour fusionner les deux, il faut que ça passe par l'imprimeur. Et cet imprimeur, c'est l'Atelier Coton, basé à Lyon. Et plutôt que de vous en parler encore une fois face à la caméra, je vous embarque avec moi. On se retrouve aujourd'hui à l'atelier, donc avec Romain et Marion, qui nous accompagnent, qui accompagnent Unifade sur la création des produits, sur l'impression des produits. Donc nous, on a un atelier qui a un peu plus de 5 ans maintenant. On a créé Atelier Coton en mai 2018.
On s'est rencontrés en 2007 en Chine. On était tous les deux étudiants. Donc Romain faisait des études en école de commerce. J'ai fait une école de commerce à Lyon. J'ai trouvé un stage dans un grand groupe français à Shanghai. Et lors d'une soirée un peu arrosée, j'ai eu le plaisir de rencontrer Marion. Et c'était en 2007, on est restés amis. Marion, toi, tu étais... Moi, j'étais étudiante en art appliqué, spécialisée dans le textile. Et j'étais... je parcourais les pays asiatiques, Inde, Chine, pour voir un petit peu ce qui se passait et travailler et trouver de l'expérience aussi dans ces pays-là. Donc, on s'est rencontrés, puis on a eu chacun nos expériences pro dans des grosses entreprises. On a appris plein de choses et puis... Un jour est arrivé 2018, moi je travaillais dans l'industrie du coton, on a eu besoin d'un petit projet fait localement, responsablement à Lyon. Marion faisait de la sérigraphie, on a fait un test et boule de neige. Et paf, c'était il y a 5 ans et voilà, et du coup, nous sommes les heureux parents d'Atelier Coton. Quelle est la différence principale en fait entre Atelier Coton et d'autres ateliers? Dès le début, en fait, dès mai 2018, quand on a fondé l'atelier, on l'a fondé sur des piliers forts et des principes fondateurs. L'éco-responsabilité, donc, qui passe par le choix des supports qui sont certifiés en coton bio et qui ont un véritable label, qui sont tracés. Le travail à la main, donc toute l'impression artisanale et qui permet aussi d'assurer une qualité parce qu'il y a un contrôle au fur et à mesure des impressions. Et puis l'utilisation d'encre propre par opposition aux encres à solvant qui sont utilisées beaucoup dans l'industrie, qui sont plus polluantes pour la planète et aussi qui sont nocives pour les travailleurs. Là, aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? Ça fait un an que notre atelier est certifié GOTS. Donc, tout le process, en fait, est validé et reconnu par un organisme certificateur qui s'appelle ECOS. C'est vraiment la traçabilité et la validation de chaque étape. Donc, depuis le champ de coton, le tissage, le confectionnage, l'utilisation d'encre fabriquée en France qui sont certifiées GOTS aussi fait que Atelier Coton a obtenu le label, donc ce qui fait qu'on est un des rares ateliers en France à proposer un produit qui est 100% GOTS. Il n'y a pas uniquement le coton, il n'y a pas uniquement les encres. Le process d'impression en sérigraphie manuelle aussi a été validé par EcoCert. Et maintenant, quoi, ça fait 2 ans et demi, 3 ans qu'on travaille ensemble. Et l'idée, c'était qu'à la sortie, pour moi, pour Unifate, pour moi et pour Unifate, à la sortie du confinement, je voulais aller chercher un peu plus loin en fait dans les valeurs que l'on mettait en place et en fait prendre le temps de déconstruire ce qui avait été construit pour aller chercher un peu plus loin, peu comme ce que vous dites. Ouais, vraiment que chaque étape soit pensée, réfléchie, c'est pas juste à la fin on dit ah le produit est bio, mais non, ouais. Chaque étape a été décomposée et chaque étape on a essayé de trouver des solutions pour aller le plus loin possible, il reste du chemin. Et c'est exactement ça, et l'idée c'est aussi toujours ça aujourd'hui, c'est que de continuer de déconstruire, une fois que tout a été construit, tout est bien beau, c'est bien, il y a encore moyen de faire de nouvelles choses, il y a de nouvelles, c'était à coup de 10, 12, 20 t-shirts par modèle, et puis là on passe à un autre niveau. Donc, ouais. C'est ça qui est super agréable aussi, nous c'est aussi pourquoi on a créé un atelier à plus petite échelle, à taille humaine par rapport à nos boulots précédents. C'est ce qui nous fait vibrer parce qu'on t'a rencontré au début, comme tu dis, sur une petite histoire, des petits volumes. On s'est challengé aussi ensemble. Et là, c'est magique de se voir aussi grandir ensemble. Donc voilà, moi je suis de passage aujourd'hui pour voir la nouvelle collection, la création de la nouvelle collection avec les visuels qui ont bien évolué depuis le départ. Au départ on était sur des visuels un peu plus colorés, un peu dans tous les sens, et maintenant vraiment on a défini aussi quel type de visuel on voulait. Donc on reste dans l'idée des très fins, comme vous allez pouvoir le voir dans la vidéo. Et puis maintenant vous n'avez plus qu'à aller sur le petit site, d'ailleurs le lien sera dans la description. Et puis de toute façon, on va continuer de se revoir. J'espère que ça vous plaira, que ça leur plaira. J'ai eu la chance de les découvrir du coup il y a quelques jours et
Et voilà, la collection a vraiment réussi. Il y a une belle unité et là aussi, on voit que c'est en train de monter en gamme de plus en plus. Donc, félicitations. Merci bien. Ça n'aurait pas été possible aussi sans toutes ces petites personnes qui participent au quotidien à faire vivre la marque. Donc, voilà. Retour au boulot. Allez, au boulot, bonne journée. Bref, tu l'auras compris, on travaille avec des gens de confiance et nous cherchons à surtout avancer petit à petit, étape par étape, pour t'apporter un produit de meilleure qualité, pas à pas. Une fois que nos visuels sont imprimés sur les t-shirts, les sweats, les tote bags, sur ce que tu veux, comment ça se passe? Eh bien, c'est acheminé en Bretagne, dans un ESAT du côté de Pontivy, là d'où je suis originaire. Et depuis cet ESAT, on va expédier les colis. Alors, c'est quoi un ESAT? Pour celles et ceux qui se demandent, un ESAT, c'est une structure qui embauche des personnes en situation de handicap et donc qui va adapter le travail et notamment la mise en place du matériel, l'organisation au sein de l'espace de travail pour que ça soit le plus adapté à leurs tâches et qu'ils puissent les effectuer le plus sereinement possible. On travaille donc avec cette entreprise-là dans le but de vous préparer et de vous expédier vos colis. Les t-shirts, sweats et nos autres produits sont donc acheminés dans cet ESAT. Là où en fait ils font le tri, le point sur les stocks, les ranges et les classes pour qu'on puisse s'y retrouver correctement. Ensuite, à chaque fois que l'on reçoit des commandes de votre part sur le site internet www.unifate.fr, eh bien les personnes de l'ESAT préparent vos commandes avec tout l'amour du monde. Ils vous mettent les petits goodies dans les emballages. D'ailleurs, au passage, emballages qui sont faits sur une base d'amidon de blé et donc qui vont au bac à compost. Donc, les jetez pas à la poubelle. Jetez-les plutôt dans votre bac à compost pour en refaire du compost et que ça soit réutilisé. Tout à l'heure, je vous parlais d'ailleurs de goodies qui sont mis dans vos colis. La plupart du temps, on est sur des autocollants pour vous faire plaisir et vous permettre d'afficher Unifate encore plus fièrement. Cette année, il y a un petit truc en plus. En effet, dans vos colis, jusqu'au 15 août, vous aurez accès à un petit Polaroid. Un petit Polaroid un peu collector avec une photo de la marque Unifate et en dessous vous aurez aussi le nom de la personne qui aura préparé votre colis avec à côté un petit QR code. Il est super important pour vous de garder ce Polaroid parce que ce QR code là, le 15 août, pour l'un d'entre vous, va se transformer. En fait, en le scannant, vous allez voir, ça vous amène sur une explication de qui prépare vos colis, comment ça se passe à l'ESAT plus concrètement. Au-delà de ça, le 15 août, un des QR codes parmi toutes celles et ceux qui en ont reçu se changera. C'est le QR code d'or. Et il vous permettra de gagner un week-end en van, 2 jours et 2 nuits en van pour vous. Et pour moi, c'était de vous faire plaisir là-dessus, de vous faire vivre ce que je vis au quotidien et de le relier aussi à Unifate, puisque vivre en van, c'est quand même bien plus écologique que d'avoir une maison ou de vivre dans un quotidien. Non pas que je vous blâme si c'est le cas, mais c'est juste pour vous amener à concevoir petit à petit les choses autrement et surtout vous faire plaisir, vous faire kiffer. Vous gagnerez donc la possibilité de partir en van pour 2 jours et 2 nuits, puis l'une des agences de l'entreprise Black Sheep qui organise des séjours en van. Je vous mettrai en description un lien vers Black Sheep pour celles et ceux qui sont intéressés de voir qu'est-ce que c'est comme type de van. Pour les autres, je vous donne rendez-vous sur la boutique Unifate pour pouvoir acheter vos produits et avoir la chance de gagner un week-end en van le 15 août prochain. Partez faite, on retourne à notre création de collection. Une fois que les colis sont prêts, avec tous vos goodies, toutes vos petites surprises au sein de l'emballage, et surtout les produits que vous attendez avec impatience, ils sont expédiés. Ils sont expédiés principalement par La Poste à l'heure actuelle. On expédie donc avec La Poste qui a une expédition plutôt neutre en carbone. C'est pas ce qu'il y a de mieux, le neutre en carbone, puisque ça insinue de pouvoir consommer autant de carbone que l'on veut tant qu'on fait en sorte de planter des arbres entre guillemets pour récupérer ce carbone. Ce qui n'est pas la solution sur du long terme. Et pour l'instant, c'est ce que l'on a trouvé de mieux pour nous. On souhaite évoluer par la suite dans le but d'améliorer expédition et surtout notre démarche de A à Z. Enfin, petite précision aussi, quand vous arrivez sur notre site internet, il est conçu de façon éco-responsable, c'est-à-dire qu'il consomme le moins de CO2 possible. Et l'idée, c'est d'alléger, on va dire, la consommation du site internet. Ils sont les lignes de codage en permettant d'être chez un hébergeur qui est plus vert,
Bon bah voilà, c'est la fin de la vidéo et on n'est pas le même jour, c'était pas prévu comme ça. Et en fait ma caméra m'a lâché, il n'y avait plus de batterie et je m'en étais pas rendu compte. Donc je vous fais l'outro de la vidéo ici. Merci d'avoir suivi toute la conception de cette nouvelle collection. J'espère qu'elle vous plaît autant que moi elle m'a plu de la créer. C'était vraiment un kiff. J'espère qu'on va continuer à avancer ensemble dans cette aventure-là. Et puis bah écoutez, profitez de la vie. À très vite. Et juste parce que j'ai oublié, mais il y a d'autres personnes qui travaillent sur Unifate, qui donnent des coups de main tous les jours, et notamment sur l'aspect com. Et eux, voilà ce qu'ils ont fait.